Alors là, moi je suis en Paul et je suis pas en Jacob. La semaine ici, on est à l'école de prière. C'est d'abord ça le cadre de la semaine. Donc on l'appelle aussi la colline. C'est dû au nom du lieu, la colline à Fraisse-sur-Moselle, et qui donne aussi toute la symbolique pour l'école de prière. Dieu, il se manifeste souvent sur les sommets, la montagne. Jérusalem, c'est le mont Sion, par exemple. Le thème qu'on a choisi pour cette année 2022, troisième édition, c'est les trésors de la vie chrétienne. Ça reprend les cinq essentiels qui ont été pris pour les assises diocésaines. Je les reformule toujours un peu différemment, mais on a la prière, la formation, vous pouvez aussi dire la connaissance de Dieu, la fraternité, la convivialité, le service du frère, et puis l'évangélisation, le fait d'annoncer sa foi aussi, de la partager. Donc on a 5 jours d'école de prière, et ben un thème par jour. Aujourd'hui concrètement, sur le thème de la fraternité, ce qui se passe, c'est que c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête, on l'a déjà annoncé un petit peu hier, en guise de mise en bouche pour tous les jeunes sur la colline. Ce matin, c'était la fête du sacrement de la réconciliation. On a distribué à tous un petit bracelet violet, qui est un peu la couleur de l'attente, de l'espérance. On le retrouve pour le sacrement de la pénitence, bien sûr. On comprend pas forcément que c'est l'attente et qu'il y a quelque chose de joyeux à l'issue. On rejoint un petit peu aussi l'espérance derrière tout ça. Des retrouvailles avec Dieu, comme l'enfant prodigue qui se retrouve accueilli à bras ouverts par son père et qui se fait embrasser. Cette expérience-là qu'on voulait proposer aux jeunes. Et on continue justement la préparation de la fête l'après-midi avec la préparation d'une veillée spectacle. Et une soirée pizza même. Une soirée pizza qui est un repas spectacle. Un spectacle préparé par les jeunes. Ils sont actuellement là répartis en petites équipes pour préparer différentes animations, des sketchs, des poèmes, de la danse, des chants. Et donc ce soir, on va tous se retrouver aussi en vêtements de fête. Qu'est-ce qui t'a fait venir à la colline ? C'est principalement ma mère qui connaissait et du coup j'y suis allé et j'y suis retourné cette année parce que j'étais super bien amusé l'année dernière. Moi ce que j'aime bien à la colline c'est vraiment l'ambiance et tout ce qu'on fait c'est vraiment très intéressant. J'aime bien les animations, les animateurs aussi sont grave sympas, puis les petites sorties, par exemple les randonnées c'était cool. Ce que j'aime bien c'est qu'en fait on a tous l'impression d'être de se connaître depuis longtemps alors que certains on les connaît que depuis quelques temps, on se connaît tous en fait. Qu'est-ce que je retiens de toute cette semaine ? Je retiens en fait ce que d'autres animateurs ont vu à travers leurs yeux, notamment d'une animatrice qui nous a rejoint, Caroline, qui faisait l'école de prière pour la première fois et qui va devoir partir un petit jour avant la fin. Elle nous a dit ce midi que pour elle, la colline, c'était un peu comme le ciel sur la terre. J'ai entendu ça pour la première fois cette année avec beaucoup de cordes. Et là, j'entends quelqu'un aujourd'hui qui me dit « La colline, c'est un peu le ciel ouvert, les anges de Dieu qui montent et qui descendent. » Et c'est vrai que tout ce que vivent les jeunes, tout ce qu'ils disent, c'est cet angle-là. C'est vraiment un peu long, avec Dieu, on les voit qui s'émerveillent, on les voit qui changent entre les différents jours et qui se laissent saisir par tout ce qu'on vit de merveilleux ici, dans la prière, dans le jeu, et puis tous les temps de vie quotidienne, les repas et autres. Humeur. Si tu devais dire un ou deux mots pour la résumer. C'était vraiment génial et c'est dommage que ce soit conclu, mais c'était cool. Vraiment, j'ai adoré.
cool, sympathique et... C'est superbe avec une bonne ambiance, vraiment. Bah, cette semaine, j'ai trouvé courte, merveilleuse, géniale et je sais pas. Si là, les grands étaient souvent avec nous, en train de dire des blagues, comme ça. Et encore plus, mais ça vous saurez si vous venez.